Donc voilà la première partie de l'acte 4 de la campagne des morts-vivants. Cette première partie, c'est ce qu'on a appelé la charge des Dothraki. Les morts-vivants s'approchent de Winterfell et Daenerys envoie toute sa cavalerie pour contrer l'assaut des morts-vivants. C'est une partie qui va se jouer de manière un peu particulière. Il y a quasi l'intégralité des morts-vivants. Le général, il est dans un coin, il ne participe pas au combat, le Night King. Les Dothraki sont présents avec seulement 3 unités de screamers avec un co. Cette partie, elle se joue jusqu'à la mort totale de l'armée Dothraki. Il y a 5 activations par round pour les 2 armées au départ. Les morts-vivants conservent toujours leurs 5 activations. Les vivants, eux, auront le nombre d'activations correspondant au nombre d'unités qui restent. Voilà. Il n'y a pas de finesse, il n'y a pas de subtilité dans ce scénario. On charge, on se tape, on meurt. À la fin de cette partie, on attaquera la seconde partie pour ce qui est des morts-vivants. Entreront en jeu dans la seconde partie ceux qui restent des plateaux et des figurines des morts-vivants. Elles restent en jeu, en fait, dans l'état à laquelle elles finissent la première partie. Dans l'état en nombre de figurines, en nombre de tokens, corpse token ou l'armée des morts-vivants. Alors, nous avons un géant. Derrière le géant, nous avons une unité de Vresse. Ensuite, à côté des Vresse, nous avons les Feral Wright. Devant, nous avons un nounours. Bon, moi, je les appelle nounours. Un deuxième nounours avec derrière les Fallen Crows. Alors, il y a dans les Fallen Crows et dans les Feral Wright un attachement. White Walker. Donc il y a 2 White Walkers. À côté, enfin, une autre unité de race à poil. Et un autre géant. Et enfin, les Night Striders, donc les fameuses araignées. Pour aider tout ça, on a évidemment la Night Queen. Et un petit nouveau, Craster. Version mort-vivant. Donc ce qui fait quand même une armée assez impressionnante, dirigée sans être sur le champ de bataille par le Night King. Il n'est pas sur le champ de bataille, mais ce sont ses cartes tactiques qui rentrent en jeu. Alors, pour ce qui est de l'armée des Dothraki, très simple, 3 plateaux de screamer avec pour chacun des screamers un screamer co, 2 NCU, Daenerys, puisqu'elle envoie à la bataille ses armées, et Arya qui est déjà présente dans le château et qui participe au conseil de guerre. Les cartes tactiques sont les cartes tactiques des Targaryens avec un mix pour les cartes de général. Il y a des cartes de Khal Drogo et une carte de Jorah Mormont qui sont dedans, mais il n'y a pas de général sur le terrain. C'est Daenerys qui pilote. Il y a Ride by Attack, Assault Order, et la carte de Jorah Mormont, c'est Marshall. Par contre, il n'y a pas 4 cartes de général, il n'y en a que 3. Et donc, il y a le deck complet Targaryen. Le deck complet Targaryen, d'accord. En début de partie, Hugues va placer la figurine du Night King où il veut. Ce n'est pas une figurine qui participe au jeu, ce n'est pas une figurine qui a des activations. On ne pourra pas l'attaquer, il ne pourra plus bouger, mais il va le positionner de façon à pouvoir utiliser éventuellement cette carte tactique qui dit qu'un ennemi à courte portée du Night King déclenchera un effet. Donc je vais placer mon Night King entre les 2 unités centrales. Tu le colles pas au plateau? Ça va te gagner un pouce, ouais, un si pouce et demi. Ouais. Quoi. On pioche les cartes. Donc les vivants jouent en premier. Oui, les vivants jouent en premier. Ben oui, Daenerys, elle déclenche la charge, donc elle va déclencher la charge. Je vais activer Arya, qui va aller sur la lettre. Je vais piocher 2 cartes et je vais mettre un token. Un vulnérable sur ce géant-là.
Je ne sais pas si on avait donné les spécificités de Craster. Donc, Craster, il a un pacte with the Knight. Et une fois par partie, je choisis un des deux effets suivants. Le premier effet, lorsqu'un NCU ennemi s'active, j'annule tes capacités et également la zone. Ouais. D'accord. Je peux l'activer, je prends une zone, mais il ne se passe rien. Il se passera rien. La deuxième possibilité, c'est je restaure 2 des 3 plus 1 wound en ignorant les innate abilities. Donc sans surprise, je vais activer la reine. Notre amie la reine. Donc je vais prendre la couronne. Je vais influencer mes Feral Rites. Je vais te faire faire un test sur l'unité sur celle-ci qui est juste devant toi. Donc j'ai un moral à 5 au départ, donc test à 6. Ça voilà. Commence bien. Deux blessures. Bon, t'as la bourse. Mais bon, on va pas commencer à être blessé, donc je vais mettre la Calessie sur la bourse. La Calessie, elle va influencer cette unité-là. Oui, et je vais retirer les deux tokens, les deux blessures. Je vais faire un début de tour. Vas-y. Ennemi. Ouais. Je vais craquer un token ordre d'Aria pour faire une manœuvre. Vas-y. Je vais faire une manœuvre de 6 de cette unité-là. Bah écoute, je vais activer ma petite unité ici, curieusement. Les Vrace. Ouais, mes Vrace, qui vont faire juste une petite manœuvre. Comme ça. Je vais activer cette unité-là qui va faire une manœuvre de 6 et une marge de 12. Je fais le deuxième début de tour ennemi, excuse-moi. Ouais. Je craque le dernier token d'Aria. Une manœuvre de 6. D'accord. J'ai 5 activations, donc tout le monde ne pourra pas bouger. Ok, je vais activer, ce plateau-là. Et je vais faire une manœuvre. Comme je les active... Ils prennent trois tokens. Trois corps tokens. Corps tokens. Hop. Allez, j'active ceux-là. Ouais. Manœuvre de 6. Et marge de 12. Ok. Bah écoute, je vais activer mes araignées. Donc je vais faire une première activation pour venir ici. Et ensuite, je fais une charge. Parce qu'on ne va pas prendre de risque. Voilà, 2. Pile-poil. Pouf. Voilà. J'ai tout simplement la maudite somme de 7D. Je te touche sur du 3+. Et je suis vicieux. J'ai chargé. Je relance. Ça fait 6 touches. 6 touches sur du 5. J'en sauvegarde 3. T'as vicieux ? Ouais, j'ai vicieux. Donc, test de panique à 7. Qui passe. Qui passe. Je vais faire un sudden retreat. Alors, je vais lancer le dé. Je vais réfléchir comment je recule. Donc, je peux reculer de 10. Oui. En fait, je vais reculer que de 1. Comme ça, tu peux pas pivoter. Non, je peux pas pivoter sur ce coup-là. Je suis bête d'avoir mis un vulnérable au géant. J'ai que des capacités qui donnent du vulnérable. Donc, je les active. Ouais. Il va faire une manœuvre de 6. Mm-hmm. Je vais jouer un ride by attack, une attaque montée. Et je vais faire une marche qui va une marche de 12. Mm-hmm. Potentiellement, je vais chevaucher eux dans ma marche. Oui, d'accord. Je fais le pivot. Je t'inflige, grâce à mon attaque montée, une blessure plus une par rang restant dans l'unité. Donc tu prends 4 blessures. C'est des blessures directes. Je perds un. Donc il ne te reste plus qu'une activation. Oui, soit Craster. Soit Craster, soit quelqu'un d'autre. Bah écoute, je vais activer Craster, qui va aller sur le dada. Et je vais bouger cette unité-là contre toute attente. Parce que ta carte m'a foutu un peu dans le caca. Donc je vais mettre comme ça. Ok. Un petit peu. Fin du round numéro 1. Alors. Ben. Cette petite unité courageuse de Dothraki s'est mise dans le camp ennemi pour essayer de se faire un premier plateau. Et résultat, les férales se sont planqués pour être le deuxième couteau en cas de destruction de l'unité de Race. Et puis de ce côté-là, eh bien, on a un plateau d'araignées qui va se trouver confronté à deux unités de Screamer, dont une unité a déjà perdu un cavalier. C'est la fin
du round numéro 1. Non, je vais garder mes cartes. Moi aussi. Et donc, on passe au round numéro 2. Toi qui commences avec tes 5 activations. C'est moi qui vais faire Mumuse. Je vais activer mes araignées qui vont faire un petit move sur le par côté là, et une charge direct derrière. D'accord, ok. Bon, on fait pas le mouvement. Ah, si, peut-être. Enfin, normalement, tu seras de flanc, hein, y a pas de problème. Logiquement, je dois être de flanc, oui. Je vais à 6. On peut claque. Vas-y. D'accord. Charge sur du 2+, ça marche. La charge a réussi. Je vais passer derrière. Ouais. Donc, rebelote, 7D. Sur du 3, j'aurai moins 1. Tu auras moins 1 à la sauvegarde. Oui, parce que je suis de flanc. Je sauvegarde sur du 6. Et je suis vicieux. Et j'aurai moins 3 à monter à cette panique. Si touche sur du 6, ce serait bien que j'en sauvegarde au moins 2. Et ben tu vois, il suffit de le demander. Mm-hmm. Donc je perds un cheval et j'ai une blessure supplémentaire, parce que j'en perds 4. Et j'ai un test de panique à moins 3, c'est-à-dire à 8. Ils ont 5, hein. Ouais, ils ont 5. Je fais 11. Bravo. Eh ben écoute, tu ne me laisses pas trop le choix. J'active la calessie que je mets sur les épées. Je vais influencer cette unité-là qui va se positionner comme ça. Mm-hmm. Et je vais taper, bon, je n'ai qu'un seul rang. Alors, attends. Oui. Parce que j'ai peut-être en réaction la possibilité de jouer Craster. Attends, c'est une fois par game. Hein. Je peux nullifier la calessie et nullifier la zone. Ah oui, quand je prends une zone. D'accord. Ouais. Donc, je pense que je vais l'utiliser. Donc, tu ne peux pas taper. Et l'influence ne sert à rien. Et l'influence ne sert à rien. Mais bon, bah ok. Il n'y a plus de Craster pour soigner. Je vais activer la Queen. Donc, je vais la placer sur les chevaux. Ouais, je vais le mettre sur ce géant-là, parce que je pense qu'il va s'activer. Avec la zone, je vais activer eux. Et je vais essayer de faire en sorte... Ah, c'est stratégique, là. Mmh. Je pourrais me repositionner comme ça. Ça ne gênera pas. Le géant ne gênera pas. Donc, ça peut être pas mal. On va rester comme ça. Je vais activer Aria, que je vais mettre sur la bourse. Ouais, tu peux soigner un cheval. Bah ouais. Ça m'arrange pas, mais bon, faut pas que je te laisse toi te soigner. On va essayer d'en éliminer. Le but, c'est que tu meurs. Donc, on va activer ce géant. Night Queen, je prends 3 tokens. Ouais. Je vais faire une charge ici. C'est une unstop-up charge. Donc, j'ai plus 2 hits automatiques. Mais tu es en mesure de charger, là? Oui. Bah, je vais à 5 plus 6 de charge. Parce que ici, comme j'ai 3 tokens, je peux avancer de 6. Ouais, ouais, d'accord. Donc, je charge automatique. Ouais, c'est automatiquement réussi. D'accord, ok, d'accord. Donc, c'est automatiquement réussi. Pouf, je viens ici. Ouais, ça, c'était pas prévu comme ça. Ici, donc, j'ai 6D à 4+. Par contre, tu ne te sauvegardes pas. J'ai 2 hits automatiques. Ouais. Donc, tu as 2 morts, du coup. C'est des hits automatiques. Tu n'as pas de sauvegarde sur les D'accord. Donc, j'ai chargé. C'est dommage, je ne suis pas... Ça fait 7 morts. 7 morts. J'ai un test de panique normal. Si je pouvais le louper, ça m'arrangerait. Non, je le loupe. Il ne veut pas. Donc, je vais faire une sudden retraite. Donc, je peux retraiter de 9. Donc, 9, ça m'amène. Voilà, ça m'amène ici. Mais je vais venir. Mais comme je me suis désengagé, les araignées peuvent pivoter. Je peux pivoter. Je pense que je vais rester comme ça. Donc, je vais activer cela. Je pense que je peux les avoir de flanc. Je te l'accorde direct quand tu lances ton dé. C'est pas la peine d'aller faire. Voilà, de flanc. Puisque je t'ai chargé, tu deviens vulnérable. Je suis à 7 dés à 3+, relançable, thundering. Mm-hmm. De toute façon, je me sauvegarde sur 6. Hein, oui, donc, mais bon. T'énerve pas. Ça fait, ça 7, fait touches. 7 touches. De flanc. Je suis sauvegardé sur 6. Donc, de toute façon, quand il arrive, j'ai 6. Cette touche, il va peut-être m'en rester un. Il t'en reste un. Tu as un test de panique à moins 1. À 5. Donc, sur du 5. Dommage. Je suis là. Donc, c'est à moi. Bah, écoute, je vais les activer. Je me repositionne. Et je tape. Bon, je tape pas fort. Hein. Un seul rang, j'ai 3D, 4+. Ah, attends. Je vais jouer une carte quand même à la fin du combat. Mm-hmm. Tu m'as fait 7 blessures, c'est ça? Donc, pour 2 unblocked hits, je place un corpse token. Donc, tu m'en as fait 7. Donc, j'en mets 3. Donc, 3 corpse tokens à short range. Donc,
Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de les mettre dessus. Je vais mettre les trois corps token. Les ferrales, je suis en 2 mètres de là pour mettre un sur le géant, parce qu'il a des chances de rester là. Du coup, je tape 3D. Donc c'est du 4+. Ah, une touche sur du 5. Sur du 5. Ce serait bien que tu... Oui, bien. Je la prends. Tu la prends, donc tu fais un test. 5 également. Qui passe. Qui passe. OK. Le géant, il faut que je fasse 10 blessures. Les araignées, il faut que j'en fasse 12. Donc statistiquement, il vaut mieux que j'essaie de me faire le géant. Donc j'active cette unité-là. Je pense pas que je puisse aller de dos. Donc je charge. Tu charges. 4. Je fais un ça 4. Marche. Puisque j'ai réussi ma charge, tu deviens vulnérable. 7D. 7D, 3+, relançable, thundering. Donc là, il y aura une sauvegarde à 6. Avec le flanc. Avec le flanc, si tu as thundering, oui, c'est du 6. Ouais. C'est du 6, ouais. Ça fait 6 touches sur du 6 vulnérable. Tu n'auras pas besoin. Ça fait 3 morts. Ça fait 3 blessures. Test de panique. À 4. À moins 1. À 5. 5. Ouf. Et 2... De justesse. Hein. Ouais, on va te charger ici. Bon, ça charge auto, mais je vais quand même lancer le dé. 6. Ils en veulent. Ils aiment ça. Bien, alors c'est là qu'on a calcul, parce que j'ai 5 tokens. Donc déjà, de base, j'ai plus 1 pour toucher. Donc je toucherai sur du 3, j'ai 8 dés au départ. J'ai 5 corps tokens, donc j'ai plus 2 dés. Donc je me retrouve avec 10 dés. Ils sont devant toi. Ils sont devant toi. Sur du 3. Ça, c'est parce que j'ai 3 corps. Comme j'en ai 5, j'ai plus 1 pour toucher. Non, tu viens de le dire déjà, ça. Non. J'ai plus 1 pour toucher quand je charge, et j'ai plus 1 tour touché grâce au White Walker. Ah ouais, donc j'ai 10 dés de plus. D'accord, ok. Je dis qu'il s'est pété comme, comme unité. Ah, t'en as que 9. 9 sur du 5, je veux dire. Ah, quand même, hein. 3. Donc je perds 2 chevaux. Je ne suis pas vicieux. Et je réussis mon test de panique. Donc ouais. Dernière activation. Bah oui, mais bon, tant pis. 6. Bon, je suis de face, mais ouais. Je charge ton géant. Comme je réussis ma charge, tu es, ah bah, tu es déjà je suis déjà vulnérable. J'ai 4 dés quand même. Mm-hmm. Thundering. Mm-hmm. Donc tu sauveras sur du 5. Ouais, d'accord. Ah, quand eh bien, écoute, 4 touches. Ah ouais, tu peux me tuer. Hein. Ouais. Tu vas relancer tes 2 réussites, s'il te plaît. Ça me plaît pas. Je te le dis comme je le pense. Ouais, je suis mort. Le géant saute. Alors, je vais quand même mettre un point de victoire. J'ai le droit à un Sword Force et malheureusement, c'est pas la bonne unité qui a tapé. Ah oui, des touches. Des oui, touches. J'en ai fait 4. Ouais. Tu m'en as fait 4. Je vais rejouer Marching Sous. Tu vas remettre 4 Corps Token, je vais mettre, non, c'est un Corps Token. Ah oui, 2 Corps Token. C'est un pour deux. Donc, je vais mettre 2 Corps Token sur les araignées. Eux ont un pivot. Ils vont comme ça. Fin du round. Fin du round numéro 2. Alors, de ce côté-là, la petite unité très courageuse de Dothraki est quand même en fâcheuse posture. Bien évidemment, il y a une unité de Rice qui est très, très, très abîmée. Mais eux également, et ils sont face à des Feral Rice qui sont chargés en Corpse Token. Bon, bah, le milieu, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Et de ce côté-là, il y a un géant qui a sauté. Maintenant, il y a une unité de Dothraki qui est aussi en très, très, très mauvaise posture face à des araignées. Mais bon, c'est la vie. Je vais jeter mes 2 cartes. Je jette l'Overrun, que j'espérais pouvoir jouer pour charger le géant de dos. Je pioche 3 cartes. Et moi, j'ai pioché 3 nouvelles cartes. Alors, placement du général, début de tour. Bah écoute, on va se placer plutôt comme ça. Voilà. Écoute, je vais tenter un truc. Ouais, vas-y. Je vais faire mon deuxième ride by attack. En fait, j'ai jeté toutes mes cartes pour ça. Mmh. Pour espérer le piocher, je l'ai pioché. T'as de la chance. Parce que je peux faire un pivot. Mmh. Oui, par contre, moi, j'étais au contact, donc je peux pivoter. Non, justement. C'est non, le propre du ride by attack. Tu peux pas pivoter et tu te prends 4 morts. Ce n'est pas une attaque. Donc il n'y a pas de test de panique, ouais, rien. Pas de... Ouais, si j'avais pensé à cette carte-là, j'aurais peut-être fait mon début de round. Eh ben, en fait, alors si tu l'avais fait là-bas, oui, mais bah, je peux tant pas. Pis. Attends, je regarde, mais je crois que je peux pas. Je partais là, ouais. Dans ce cas-là. Je me faisais ce plateau-là. C'était un plus un.
Le plateau là, il sautait. Il faut essayer de réduire les ferrales au maximum. Ils sont activés. Donc moi, inévitablement, la queen sur les dadas. Pour pouvoir, évidemment, je vais influencer eux. Ouais. Ça me fera une deuxième unité avec 3. Et cela, évidemment. Alors, je ne peux pas t'attaquer, je peux pas te charger de flanc. Non. Donc, je vais mettre comme ça un pouce. Je vais activer Aria que je vais mettre sur la bourse. Ouais. Et je vais remettre un dada ah, là-bas. Oui. Je pense que tu vas le sentir passer, sinon. Bah oui. Je pense que je vais activer mes araignées. Puis je vais charger. Alors attends. Et bouge de 6 ? Oui, oui, ça bouge de 6. Donc, je vais mettre ici. Je charge. Reste un point de vie. Du coup. Vas-y, lance quand même ton dé, on sait oui, jamais. Oui, je pourrais pas relancer les dés si je fais un. Tu vois, voilà. T'as pas de relance. J'ai pas de relance, mais j'ai quand même 7 dés. Tu te mets comment ? Donc j'ai 7 dés sur du 3. 4 touches ? Ça fait 4 touches. Ça se sauvegarde. Oui, oui. Sur du 5. On a déjà vu, mais non. C'est bon. Donc, en voilà un de moins. Donc j'ai un search force. Ouais. Donc le search force, c'est bien simple, je vais mettre juste derrière. Je vais activer. Je charge de face. C'est face. Donc charge réussie, tu deviens vulnérable. Je m'en fous un petit peu avec eux. On a 6, donc. Ça fait 6 touches. 4, 5, 6, 5 sur du 6. Eh bien, écoute, j'en ai eu. Bah, tu vas relancer le 6, s'il te plaît. Eh ben, 5 morts. Non, c'est ça. Test de panique à 4. 4. Donc je vais activer eux. À l'activation, ils prennent 3 tokens. Ouais. Pire ça. Parce qu'il y a un moment... Je vais activer la Khaleesi qui va prendre les épées. Et je vais retaper. La Khaleesi, maintenant, elle va influencer... Non, elle va influencer eux, en fait. D'accord. Je vais utiliser l'ordre du co. C'est quoi la Khaleesi quand elle influence ? C'est la relance. En fait, je vais utiliser l'ordre du co pour donner un vulnérable et la relance des dédacs. Tu pourras m'attaquer ? Et j'ai la relance grâce au co. C'est pour ça que la Khaleesi ne servait à rien. Quoi. Donc ça fait 7 touches. Donc, potentiellement... 7. Je lave le plateau. 4, 5, 6, 7. À 6. Oui. À 6. Je lave le plateau. Je vais faire un search force. Alors, le search force. Ciao, ciao. Je me mets comme ça. Ouais, je vais quand même pouvoir y aller. Oui, bien sûr. Mais bon. Alors, j'ai encore 2 actifs. On va assurer un petit peu les arrières, puis tant pis si on perd. On va mettre Craster. Je vais remplacer l'effet par The Long Night. Et du coup, je vais placer 3 corps tokens où je veux. Donc, je vais les placer là-dessus. Sur les ferrales. Je vais les activer derrière. Voilà. Comme je les active, je peux utiliser 2 corps tokens pour ressusciter un mec. Ah, sur n'importe quel nombre d'unités. Donc, et je vais déclarer une charge ici. Je lance mon dé. De toute façon, 1. Ouais, mais P, oui, donc j'ai 3 rangs. Donc j'ai 8 dés. J'ai 5 corps tokens. J'ai plus. Chargé donc 3 plus. J'ai White Walker, donc 2 plus. Et j'ai encore White Walker, donc 10 dés. Ouais, donc, 10 dés à 2 plus. 10 dés, 2 plus. Mais t'as pas de relance et t'as et pas de carte tactique. Oui, bien sûr. Tiens, j'en fais qu'un. À toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Bah oui, 9. 9 sur du 5. C'est ça. Eh ben, c'est pas mal, ça fait 8 morts. J'en perds un cheval. 2 chevaux. 2 chevaux. 3 chevaux. Et comme j'avais déjà une blessure, le plateau saute. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Donc du coup, j'ai un search. Pas envie d'aller là-bas. Moi, je le verrai bien, moi. Hop. Ça. Donc je me mets là. On est en fin de round. Fin du round numéro 3. Alors bien évidemment, on arrive à ce qui était prévu. Bon, ben, les morts-vivants sont quand même un peu amochés. Ils ont perdu seulement un géant et une unité de race. Mais les Dothraki, il ne reste plus qu'un plateau vaillant. De toute façon, c'est à la mort. Les araignées, bon, ben, elles sont dans leur petit coin maintenant. Elles ne vont plus embêter trop du monde. Mais on va probablement être pas loin d'attaquer le dernier round, on va voir, on va attaquer le round 4, où c'est les morts-vivants qui auront la main. Est-ce que je jette des cartes ? Alors moi, je vais en piocher une. Non, bah, je vais piocher une carte, moi, attends, aussi, parce qu'il m'en reste que 2. Je vais virer The Touch of the Night pour piocher 2 cartes. Alors, c'est moi qui ai la main. Je vais faire un start of round. Ah, pour faire apparaître une race. Pour faire apparaître une unité de race. Donc, il faut que je remove 3 corps tokens. Donc, j'en remouvais 2 là. 3. Ah, c'est 3 n'importe où. N'importe c'est... où. D'accord. Par contre, après, il faut que je le mette oui, à short range of a friendly unit with a corpse token. Donc, je fais venir une unité de 8. Donc, ici, tu peux me mettre là, ce qui t'empêche de. Tu peux te charger que ça.
Ou ça. Et ça me va bien parce que c'est pas grave de perdre 8 coups. Voilà, j'ai joué ça. Donc maintenant, c'est à moi de m'activer. Donc je vais activer Night Queen sur le Dada. Je vais influencer. Je vais bouger mon nounours qui va se préparer à recevoir la charge. Donc là, quoi qu'il arrive, si tu me charges, c'est de face. De toute façon, il faut retirer les unités qui seront très agressives à la deuxième partie. Donc tu me charges. Je bouge de 6. Je te charge. Charge réussie. Alors si je me mets comme ça, l'avantage... c'est que je ne suis pas chargeable ni de face ni de flanc parce que eux vont gêner. Puisque j'ai réussi ma charge, tu es vulnérable. 7. Ça ne fait que 5 touches. Ouais, mais ça peut suffire. Un 5 plus oui, de sauvegarde, ça va pas être... être simple, tiens. Et tu vas relancer les 3 réussites. Ah bon, tiens, ça m'en prends fait que 3 PV. 3 PV sur 4, il m'en reste un. Je suis pas mort. Donc tu as un test de panique. À 4. À 4. Pour changer. Ça, ça m'arrange pas du tout que tu sois pas mort. C'est clair. 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer Craster sur les épées. Et puis, bah, je vais taper avec mon ours. Comme ça, si jamais tu as une contre-attaque, je pourrais revenir et gagner une activation. J'ai 3D sur 3+. J'ai Devastating Blow. C'est-à-dire que quand je te fais une touche, ça génère 2 touches. Eh bien, écoute, les 3. 3 touches. Donc, ça te fait 6 touches. 6 touches. Et donc, 6 sur du 5. Ça fait pas mal. Non. Je perds un cheval et une blessure. Test de panique sur du 5. Ça passe. Ça passe. Je vais activer... Aria, que je vais mettre sur la lettre. Je vais faire un assaut order. Si je me mets comme ça, je suis de nouveau pas chargeable. Je vais craquer l'ordre du co pour te mettre invulnérable et avoir la relance. Oui, tu as une relance. Mais... bon. Je me prépare cette attaque-là. C'est 7, hein ? 7, ouais. Donc 7 sur du 5, il meurt. Donc hein, il meurt, logique, je marque un point. Sur du 3+, il revient vivant. Avec 3 des 3 points de vie. Ah, eh bien, il revient pas. Ah, c'est vil. Donc j'ai le droit à un sort. Je positionner comme ça. Donc, je vais faire Army of the Dead. Je vais déclarer, donc je vais activer une unité, ouais, et je vais l'activer ici, et je vais déclarer une charge. À partir de ce moment-là, une unité à long range pourra s'activer derrière. Mm. Les unités qui ont 3 corps token gagnent 2 dés d'attaque. Donc, je charge avec les raiders. 5, ça charge. Je viens ici. 7 dés d'attaque, 4+. 7 dés à 2 rangs ? Bah, les Vrais. Ah non, à 2, c'est 4. Ah. 4 dés, pardon, excuse-moi, j'ai oublié que j'avais un rang au moins. 4 dés d'attaque, à 4+, relançable. Non, donc j'ai 4 dés sur du 6, puisque c'est de flanc. C'est ça. Donc j'ai 4 morts. 4 morts. Du coup, derrière, automatiquement, s'active celle-là, qui va charger. Qui les Rays, elles ne gagnent pas des corps tokens. Si, ils gagnent des corps tokens quand tu as un rang moins, donc je dois regagner 2 corps. Donc eux s'activent, donc du coup, ils gagnent 3 corps tokens. 3 corps. Donc je suis à 6, mais je crois que ça ne leur apporte pas grand-chose. Eux, ils ne font pas de test de panique. Hein. C'est ça, ils ne font jamais de test de panique, et ils ont Critical Blow, mais par contre, ils ont un White Walker. Donc c'est là la mauvaise nouvelle pour toi, parce que du coup, comme j'ai 6 corps tokens, ils ne vont pas toucher à 3+, mais à 2+. Et ils auront pas 7 dés, mais ils en auront 9. 9 dés à 2+. Voilà, bon. Est-ce que je relance ou pas? Oui, je relance. Puisque la charge est réussie. Bon, bah là, je pense que... je pense que les carottes sont pas très loin d'être cuites, quand même. Si, si, ils ont Critical Blow. Donc, je pourrais lancer, relancer des 2 pour essayer d'avoir des 6. Bon, allez, on va laisser comme ça. Bah, attends, t'as 9, 3... 10, 11, 12. Oui, c'est bon. 12 et j'ai 4 points de vie. J'ai 4 points de vie. T'as 4 points de vie. Oh, ça donc j'en lance déjà 10 sur du 6. Boum. Merci. Voilà. Tac. Tac. Le plateau saute. Enfin. Dernier plateau. Tu m'as donné du fil à retordre avec tes cartes. Hein. Les Targaryens, c'est pénible. Alors, fin du quatrième round et fin de la première partie de ce scénario épique. Eh ben, voilà. La charge des Dothraki est terminée, on est dans le fluff, hein, puisque c'était de toute façon comme ça qu'il fallait le jouer. Tous les Dothraki ont quitté le champ de bataille et sont partis rejoindre leurs vaillants ancêtres. Alors, le bilan chez les morts-vivants, chez les autres, eh bien, il y a une unité de race qui reste avec une figurine. Bon, ben, il y a un géant vulnérable, il y a un ours... et il y a des Feral Right qui sont à 9 figurines avec un gros paquet de Corpse Token.
Il y a une unité de. Reste. Non, les Fallen Crow Fallen avec Crawl. un White Walker qui sont tout neufs avec un paquet de Corpse Token également. Et l'unité de Wraith qui est revenue d'entre les morts avec deux Corpse Token. Et enfin, les araignées qui ont aussi trois Corpse Token. La prochaine partie va être elle également très compliquée. Thank you.